Salut, petit message avant la vidéo pour vous dire que je reprends ma chaîne de VOD. Sur ma chaîne de VOD, vous allez retrouver très simplement des vidéos coaching, des vidéos en surplus que j'ai sur mes guides GM Chal sur ma chaîne principale, mes gameplays, des tests. Enfin, c'est un peu une chaîne où il y aura de tout, il y aura aussi des best-of. Voilà. Tu peux venir en live tous les jours sur Twitch à partir de 14h si tu veux venir passer dans les vidéos, venir jouer avec moi, tout simplement. Pense à t'abonner aussi à la chaîne de VOD, ça soutient de fou. Merci. J'ai jamais lié André à Mythique. Alors, ça, c'est. On va parler des stuff après parce que, en fait. Hippados va vous expliquer pas mal de choses par rapport au stuff. Et notamment ça, pourquoi il ne fait jamais de mythique en first. Alors premièrement, déjà pour Yandri, j'ai découvert qu'avec Swain, Lilden fera plus de damage en DPS. C'est un des rares champions. Si vous voulez, il y a aussi Brand qui est dans le tas. Zira, non, c'est un peu dur. Bon, il y a aussi Brand, je crois, qui peut le faire. Qui veut Lilden qui est mieux pour en DPS qu'un Yandri. C'est à cause en fait du passif de Yandri qui fait que à chaque fois que tu mets une itération de dégâts avec un spell, ça réduit de 0,5 secondes le Luden. Okay. Sachant que Swain, son Q-spell, met 5 itérations de dégâts, si c'est encore à corps, bien sûr. Du coup, ça réduit de. Avec le, si tu proc plus réduit, ça réduit de 2 secondes. Ok, instant. Tu proc rapidement ton Luden, quoi. Tu peux proquer plusieurs Luden dans un fight, non? Beaucoup plus. Tu peux proc en moins 5 ou 6. Hein. Ah oui, quand même, ok, ouais, c'est fort du coup. Enfin, après, ça dépend. Mais surtout, du coup, avec la rune. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait les runes, excuse-moi, tu joues comment on a avec chasseur ingénieux, de toute façon, je joue là la rune. Attends, parce que. Ils sont deux, du coup, Conqueror sera toujours mieux, qu'importe ce qu'il y aura. Ici, c'est obligatoire, du coup, Presence of Mind, obligatoire, c'est toujours Ténacité. Ici, ça dépend un peu, coup de grâce, Bras d'honneur, ce que vous préférez. Non, généralement, Bras d'honneur fera plus mal, généralement, mais ça dépend des games. Et après, après ça, c'est ma spéciale, je prends un goût du sang, du coup, et chasseur ingénieux pour jouer avec Luden. Ok, un petit rune, tu prends un CDR et double armor. CDR et armor, ouais. Parce que j'ai pas vraiment besoin de dégâts et pouvoir mieux proc plus souvent mon E et beaucoup trop fort dans les games. Et surtout, tu tankes de ouf. Bah, du coup, avec entre Conqueror et tout, tu tankes de ouf la DC adverse, quoi, avec la double armor et tout. Ok, donc ce sera une H ADC. Ce sera une H, prendre une Ghost. Tu joues TP des fois en ADC? Si c'est un AP en face. Ok. Que du coup, la paix ennemie va aussi jouer TP, du coup, autant jouer avec SM égal. C'est pas mal, hein, Swain Leona. Ouais, c'est pas mal. Mais après, on a pas l'early game parce qu'il va signer une H quand même. Ouais, très fort en early game. Très fort en early, ouais. Ouf. Je vous invite à aller voir le guide H que j'ai fait avec Seed. Mais après, Swain, tu peux vite snowball la lane, non, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est si j'ai un ou deux kills d'avance, la game est finie, la lane est finie parce que je peux passer 6 et détruire tout seul en fait. Ah, est-ce que tu. Est-ce que tu peux nous expliquer le build pass de ton build pass avec Swain? Pourquoi tu vas faire. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous expliquer? Attends, je suis en train de réfléchir. Là, je vais faire CDR encore. Là, je vais faire Love Shatter, Riley, item tank, item RM, du coup, souvent. Okay. Ça dépend combien il y a d'AD en face. Après, je vais finir mon mythique, sauf si je fais un sous-item en attendant, je le représente pour Hello. Et après, je vais en dernier item, je vois. Ok. C'est bon. Et tu fais ton Luden en 3 du coup? 1, 2, 3, 4. Un 4, ok. Toi vraiment le mythique tu le delay parce que tu trouves que Swain n'a pas besoin du mythique? Swain n'a vraiment pas besoin du mythique parce qu'en fait le mythique n'apporte pas des stats si ouf pour Swain. Ok. Bon, t'as que déjà fait, t'as un très bon MMR en vrai. Oh, je joue contre Pyra, MDR. Tu le connais? Ouais. Du coup, c'est Gnarmid? Non. Non, c'est Agent Swap, ouais. Hop, toujours pas faire. Et le masque abyssal est très fort sur Swain du coup, non? Ouais, le masque abyssal parce que le passif compte dans les stacks pour stacker l'abyssal. Ok. Parce qu'en fait, disons que la différence entre ça c'est pas beaucoup. C'est 40 d'AP qui s'en fout, 10 de CDR, ça on peut l'avoir autre part, et les 6 de PN, c'est pas si grave. On me demande si Yumi c'est un bon support avec Swain. Oui et non. En fait, faut que c'est pareil avec tous les ADC supports non early game. C'est que si tu te fais gank, c'est la merde. Mais si vous survivez à cette phase de lane, vous êtes intuable. Ouais, en fait, c'est un pari quoi. C'est un pari, c'est un flip. C'est ça. Ok, je vois. Bon, Wind Vade, ça joue sur Ignite. Ça. Ça n'a pas de volonté en face. Yumi est-elle le pire support du jeu? Bah, c'est pas ouf Yumi en vrai là. Bah, en fait, en ce Yumi ça détruit trop la méta parce que bah, le champion est beaucoup trop safe. Du coup, en fait, tu peux juste le Yumi et être toujours safe et avoir un mec beaucoup trop fort en fait. Genre, si t'as un top laner qui est vide et t'as juste à mettre Yumi dessus, c'est fini la game quoi. Ok.
coup Riot a évité de a voulu, voulu éviter qu'il y a ça qui soit fort. Ah. Salut, Dans la merde. salut Younes. Étreinte démoniaque, ça doit faire mal sur Swain, non? Non, parce que le problème des trains de maniaque, c'est que ça fait trop nerf. Ouais, et en plus c'est un range Swain, non? Ouais, c'est ça, Donc du coup c'est que 1%. c'est aussi moins fort sur les ranges. C'est pour ça d'ailleurs que c'est fort sur l'IA, parce que l'IA n'est pas un range. N'est plus un range. Toi, tout ce que tu veux, c'est proc Parfait. des griffes, hein, on va pas se mentir. Ouais. Bon bah ils ont leur nid, hein, c'est tout con. On me demande si tu joues Ghost des fois. Non, parce que j'en ai pas si besoin si vous avez géré Swain. J'ai eu le creep. Putain, tu dodges tout. Putain, tu joues clean, c'est pas mon Volibear. Hein. Oh. Bon, ils vont passer, hop, reculer. Deux. Ah, bien joué. Alors, faut savoir que Swain, pour ceux qui connaissent pas, dès que tu grabes quelqu'un et que tu le ramènes, ça t'ajoute des HP. Je Donc, vais laisser tomber ce creep. la dernière fois qu'on a tourné cette vidéo, il est arrivé sur la ligne, il avait 900 HP, il en est reparti, il en avait 1200. C'est très drôle. En vrai, c'est rigolo comme data. Parfait. Personne me donne. Et j'ai ça. C'est parfait. À partir de quel timing tu peux commencer à jouer la lane avec Swain? Bon, là, c'est Ça très early, dépend là. des. En fait, ça dépend des en face. Et si les mecs sont pas du tout early, tu peux les commencer à jouer. S'ils sont mid-game, tu peux commencer à jouer early. Ok, bon, là, ils sont très Ça... agressifs pour le coup. Ouais. Cool, là, en fait, tu joues pas et c'est tranquille. Ok. Bon, faut bien prendre un DSS. Ok. Il y a lui qui est là. Alors, ce qui est sympa aussi avec Swain, c'est qu'avec le Z, vous allez pouvoir prendre des assists vraiment gratuitement, hein, de la moitié de la map. Là. Essaye, est-ce que je perds mon. Non, je vois pas. Ok, il est bien là. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, on répond avec plaisir. Pareil sur YouTube, hein, si vous voulez venir poser vos questions. Ah, j'ai tenté. Ça se passe sur le live, la team. Ok, j'ai une brière d'armes. Le mieux focus, c'est plus la DC. Il n'y a pas d'escape. Là, si tu veux, c'est que ça après, hein. Si tu veux. T'es en roue libre. Merci, Biggie Snow. Ok, c'est bon. Ah, tu mets des bons trades déjà là, c'est tout ce que... En vrai, ça se voit que tu prends moins de dégâts qu'un ADC classique. Parfait. Hop. C'est un peu dommage qu'elle ait go le pack. Oula, c'est risqué ça, non? Ah, dommage. Pourquoi il est parti là, par contre? Pourquoi le chase? Me dis pas que. Mais Aïe. elle gagne pas son AVR là. Avec le fear. Non, ça, elle meurt. Mais. Oh, merci Un Kitty pour le gros. tier 3, c'est gentil. Merci beaucoup. Bah, je crois que mesdames et messieurs, il manque moins de 50 points pour le 70-30. Merci à tous. C'est officiel. Déjà, pourquoi elle nous veut gank alors qu'on n'a rien à faire? Ça claque purge, ignite. Ah, Yo, tout Black Opium. claqué. Bon, c'est un peu chiant ce qui vient de se passer, mais est-ce que c'est très grave pour toi? Non, 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 c'est pas grave. Ça va, j'ai encore l'XP. Oh, le misclic. Tu l'as dit, leur lit contre leur compo, c'est quand même pas évident. Ça, tu tiens ou forme en vrai, hein? Malgré. Oh ouais. Ah, j'ai un petit bug de souris. On voit, tu sais, ça zoome tranquille. Merci les amis pour les follow, les subs, merci beaucoup. Passe tout, c'est cool. Oh non, faut qu'elle revienne m'aider. Pas de décal. Merci bien. T'as quand même crucialement besoin du support, j'ai l'impression, avec Swain, non? Au début, en Oui. tout cas. Après, tu Oui, peux faire c'est. du 1v2, non, après? Une fois que t'es 6 et C'est tout. ça, c'est en fait ça dépend. Là, le problème c'est que ça va crash autour, du coup j'ai besoin d'elle pour m'assurer que ça crash. Ok. Tu peux m'expliquer pourquoi Swain, c'est le meilleur APC du jeu? Parce qu'il n'y a aucun ADC bon. Ouais, ok. Non, C'est. au-delà de ça, tu casses les couilles. Non, mais le champion, pour avoir... Frérot, le champion a entre 54 et... Entre 53 et 55% win rate, tous les élos confondus, même en Master Plus. Premièrement, c'est jouer en counterpick souvent. Ok. J'arrête beaucoup. Secondo, c'est que le champion est assez simple à jouer. Ok. Ça aussi, c'est le champion qui a des meilleurs counters contre la plupart des ADC. Ok. Je laisse Des te petites focus, esquives. t'inquiète. Ok, et t'as un très bon mid-game comparé aux ADC en fait, du coup.
si du coup en fait tu détruis vite la game en mid game et tu laisses dérouler ensuite avant que les ADC aient atteint leur late game. C'est pas nous de jouer hein. Ouais bon là c'est juste ce qui est chiant c'est que t'as tombé sur une lane très agressive et très très early ce qui est pas forcément le cas de Swain quoi. Là les gars on joue quand même en High Master Gem, c'est quand même du bon niveau hein, donc parti. Est-ce qu'on va réussir à tourner cette vidéo? Déjà, non mais déjà ce qui est impressionnant c'est que tu arrives vraiment facilement à la lane tu vois. Parce que vraiment Pyke H. Bon c'est pas Pyke Draven tu vois mais c'est quand même Pyke H, c'est pas mal quoi. J'aurais préféré Draven que H. T'aurais préféré Draven que H? Draven ça solo pas. Oui c'est vrai. C'est vrai dit comme ça. Mais bon ça tabasse. Ouais mais j'ai une exhaust pour ça. C'est vrai. Tiens tu me parles bien. J'aime bien quand tu me parles comme ça là, que tu me remets à ma place. Puis revoilà. Pas trop de level 6. Ok. Je sais pas comment elle est. Elle. Je te demande des infos, non. Niveau 6, vous pouvez prendre un trade ou pas? Ouais. Mais le point, c'est qu'il y a un jungle. C'est chiant quand même qu'ils aient fait ce système de jungle dans la game, sur le jeu. On gagne tous les jours. C'est Hippados to Fly, c'est un des meilleurs Swain d'Europe, si ce n'est le meilleur. Challenger toutes les saisons avec Swain. Mid en préférence, mais là c'est vrai que bah il est quand même venu gentiment. C'est vrai que quand tu tag mid ADC toi du coup non? Ouais. Ah j'ai une Ugami que tu dois peut-être connaître, c'est un joueur de Yageux qui tag aussi mid ADC avec Yas. Ouais c'est. J'ai toujours peur de donner des noms d'autres joueurs parce que si t'en run down après tu dis ouais il m'a run down ce chien. Oh non je pensais me faire grab. Ah dommage, après ça va tu restes dans la zone. Avec la fatigue tu peux la laisser dans la zone en plus non? Ah c'est bien joué putain. Putain qu'est-ce que c'est fort Swain sa mère. Est-ce que ça suffira ça c'est la question. Pas touché. Eh bien. Pas mal en tout cas, hein, vu le fight, tous les HP qui te restent, c'est pas dégueu. Hein. Non, ah, non. Oh. Ok. Eh bien, il y en a du monde. Hein. Ouais. Mais par contre, là, on a vu la force de Swain, c'est insane. Ouf. Ce que t'as tanké, mec. Hein. C'est insane. C'est parfait, j'ai ça. Bon, j'ai les gold au moins. Ah non, c'est pas avec, oui. Ça va. Bah ouais, en c'est fait. Pas kill, c'est pas trop chiant. Je suis honnête, c'est assez choquant tout ce que t'as tanké là. Bah, l'exode là, en fait, on savait qu'on était obligé d'avancer, du coup, on a full avancé. Du coup, le Fiddlestick s'est mal mis. Mm-hmm. Du coup, on a réussi à tank aucun coup d'ult en fait de Fiddlestick et c'était fini pour à ce moment là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, après là, tu reviens avec Lost Chapter. Oula, ça c'est. Tu reviens avec Lost Chapter. T'as ton ulti dans 40 secondes déjà, c'est une folie. Et j'ai pris l'ult, c'est pas grave. Ah ouais. Ok, l'ult brillard. Oh. Là, t'es bien. En réalité, t'es en 0-2-0, mais t'es très bien là sur la ligne du coup, non? Ouais. On voit déjà qu'ils ont un peu du mal en face. On voit qu'ils commencent à galérer en vrai. J'ai. Et surtout, ce qui est bien, c'est que t'as déjà 1300 HP en vrai. Mmh. C'est vrai qu'il décale. On peut avancer. Ok, c'est bon. Je trouve la game est super. Tu vois, on pourrait croire qu'en 0-2-0, t'es dans la merde, mais en fait, pas du tout. S'il nous ping qui? C'est Vestic nous ping? Ouais, ça doit être Vestic pour qu'il nous ping comme ça. Par contre, est-ce qu'on peut parler du fait que ton ulti n'est pas de CD? Genre vraiment, tu as déjà récupéré ton ulti. Oui, l'ulti a pas beaucoup de CD, avec les 8% en plus et les 10% ensuite. Donc tu peux vraiment, dès que tu peux l'utiliser, tu l'utilises, même si c'est raté, c'est pas grave. Ouais, ouais. J'ai touché un grab ici. Ok, j'ai touché le clone. Oula. Ok. Tu forces pas mal de choses. Là, ça peut se jouer avec un ult. Ouais, voilà ça. Grab. Ah, il a pas voulu grab. Okay, ouais, okay. Là, tu le ramenais en plus, tu gardais ton ulti. Bon, bah, en vrai, c'est pas mal, hein. Vous survivez à beaucoup de choses, là, depuis tout à l'heure. Et Syndra.
En plus. Mais frère, c'est la Clown Fiesta la bot lane, c'est quoi cette histoire? Elle reste. Oh l'enfer. Oh, dommage. Après, l'autre a beaucoup trop d'HP, hein. J'aurais pas dû rester. Merci, Boudananas. Merci, mon frérot, pour le follow. Bienvenue à toi. Bah, c'est une super game en vrai, hein, pour le coup. C'est une vraie bonne démonstration de Swain. Là, tu savais qu'il allait te grab? Ah, c'est close. Ah, ouais. Putain, c'est close. J'espérais, hein. Je me suis dit que ça allait peut-être tuer. Putain, c'est close. Ult, ult, Priya, ult, Priya, ult. Elle l'a? Oui, ben je crois. Peut-être, c'est peut-être bugué. Ah. Hein. Non, non, elle l'a. Ok. Ok. Elle va mourir du coup là, non? Je crois que. Ah, c'est non, bon. Non, elle gagne tous les jours en fait. C'est que pas qu'il y avait rien, elle avait rien, si du coup elle gagne tous les jours. Elle a ult trop tard, ouais. Okay. Oula. Oui, c'est qu'elle aura ult. Après, en fait, elle voulait s'assurer que son ult touche en fait. Ok. C'est compréhensible. On me demande si en bot tu prends toujours les mêmes ou si tu joues de façon situationnelle. Les bots, je les prends soit armor, soit RM en fonction du nombre de CC et d'AD. Ok. Là, c'est plutôt des. Là, c'est... Ah, c'est. Là, ça a armor. Ok. J'ai une tienne suicide là. J'ai pris slow. Ah, tu prends une assist. J'ai pas besoin de tenir. Tu l'as, ouais. Tu l'as touché donc tu prends une assist, non? Ah, ça, c'est, je trouve ça c'est un gros point fort de Swain, c'est que là tu viens de prendre une assist. Le Z, les gars, la range monte, tu montes le spell ou pas? Je sais plus. Oh là, ouais, elle augmente. Ok. J'ai la moitié de la map full max. Tu prends encore une assist. Okay. Oh, les assists gratuites. Ça me heal, ça me rend du mana. Ah, t'es royal en vrai. Hein. Ah. Ah, c'est bien. En joué. Gros là. Dommage. Y'a pas de flash. Ce qui est cool, c'est que pour le coup, t'es en. Ah, t'es pas touché. Dommage. Pour oh, le coup, t'es en 0-3. On pourrait croire que t'es vraiment je derrière. Je peux pas voir. Ma lane. C'est bon, j'ai. On pourrait croire que t'es vraiment derrière, mais pas, c'est pas du tout le cas là pour le coup. Non, ça va, c'est. Je suis quand même devant. Ah. Hop, petit grab à la sortie. Mmh. Ouais, timing. Front, pourquoi t'as pas fait le tour? Oula. Ah, mais. Mais mate me bait! Le flash extech, il était pour te bait à toi, pas pour les adversaires. Ah, c'était sûr qu'il y avait le fiddle. Ok. Pourquoi il la dash, mais oh. J'étais bien moi. T'es mort là non? Ah non, ça va. Oh l'enfer. Ah, ok. Oh l'enfer. Oh, j'ai pas envie de duel pour ça. Ouais, ouais. Ouais, de toute façon, dans tous les cas, t'étais. Vous en prenez des autobus sur la bot lane là depuis tout à l'heure, ça fait plaisir? Ça fait bien plaisir. Tu t'es fait. T'es pris combien d'ulti Fiddle? Oh, Fiddle, c'est infernal comme champion. Bah, Fiddle, je me suis pris tous ses ults et j'ai pris tous les décals du millénaire. Ah, mais. Je viens de savoir qui c'est Fiddle. Ah. Il s'appelle Syncroft. Ah, c'est Syncroft en boss? Ouais. Ah, ok. Bon, t'as ton Riley? En vrai, en soi, même si t'as pas beaucoup de kills, même si t'es beaucoup mort, c'est bien. Ça veut dire, imaginez juste que si le champion il est devant. Hein. Hop, petite assist. Là, le devant, je suis le fact, j'ai détruit là, à droite. Hein. Mais bon, t'es pas si mal. T'es pas si mal. Et là, ça va, c'est pas si gênant en fait. Parce que du coup, en fait, même si je suis un peu en retard, c'est pas grave. Du coup, c'est aussi sa force, c'est que j'ai pas besoin de beaucoup de gold pour faire des trucs. Bah là, avec Riley, déjà, tu vas slow tout le monde. Hop, allez, un petit Z pour le. Pour l'assist, la tu l'auras pas là. Je trouve ça incroyable que tu prennes des assists partout sur la map depuis tout à l'heure, ça me fume. Puis niveau CS, t'es pas tant derrière. Niveau en level en XP, t'es pas derrière. Donc c'est très bien en vrai. Ouais. Pour le coup, tu fais. Demande là. Ils ont quoi? Un AD, un AP, un AP. Faire des tas de bits, du coup, je vais faire de la RM tout de suite. Du coup, masque abyssal? Ouais.
En vrai, je vais surtout faire les sous-items de RM pour aller 90. Ok. Parce que j'avais pas besoin de les achever parce que j'avais mon passif, du coup c'est mieux de prendre d'armor, enfin beaucoup d'RM, beaucoup Ok. d'armor comme ça en passif brut. Ah, pourquoi vous avez shut down l'objectif? Vous êtes vraiment derrière en gold? Ouais, c'est il y a 10-14 avec full. Ah. Et marrant ta game, ça fait plaisir. C'est terrifiant, tu peux vraiment pas jouer, c'est horrible. Je crois que je vais mettre un counter d'ulti fiddle que tu prends là dans cette game. Ouais, je pas même plus jouer hein, si j'avais essayé de tenter de jouer. Tu penses qu'elle est gagnable la game ou pas? Oui. Là avec masque abyssal ça va te faire du bien je pense. Bon, vu le nombre de points que je prends, je vais tout de suite faire ça. Ouais. On va voir s'il m'en met tout lourd après ça. Aïe aïe aïe. Bon, Le là, Axan il il faut a que l'air un j'aime. peu gourmand. Il se prend deux petits levels. Après vous avez KS&T. Qu'est-ce que c'est fort Fiddle mec, c'est quand même grave hein, comme champion. Une petite assist encore. Le kill, Oh! parfait! Ça par contre, ça c'est C'est très royal. bien ça! Ça c'est royal. Ça c'est très gourmand. Ah dommage putain. En vrai hein. C'est bon, elle est morte. Elle est morte, elle est morte. Ah bien joué. Là c'est parti, là t'es en train de snowball. C'est bon. Wouah. Et C'est parti hein, le snowball commence à partir de là hein. elle est trop conne de pure contre un slow. Ok, dommage. Allez, encore une petite assist. Non, loupé. Tu sais que je kiffe, hein. Je kiffe juste que tu mettes des aides sur des mecs, hein, ça me fume. Ça me régale. Le tic est là, du coup, on n'a pas de problème. Ah non, on l'a pas vu. Ok. Ok, donc là tu vas partir. Bah là t'as ton item, je crois, non? C'est bon, tu es au bac, tu l'as, je crois. Hein. Ça coûte tellement pas cher le masque abyssal, mec, c'est une folie. Ouais. D'ailleurs, ils vont réduire en 2-1 un prochain. Ouais, ça c'est quelque chose aussi. Hein. Ok, t'es royal. Petit kill. Venge-toi, il le mérite. Dommage. La griffe c'est vraiment trop fort mec, c'est une dinguerie. Hein. Putain, c'est le sort le plus broken. C'est C'est ça trop qui me trop soigne fort. trop bien. Merde, je tank! Ah ça c'était gourmand ça aussi. Ah, en vrai c'était un poteau le gnard, non? Tu lui offres, c'est Dieu qui donne. Ok, est-ce que tu finis ton. Toujours pas de Riley, hein, enfin, toujours pas de Luden en 3. Là, tu vas faire quoi? De l'armor? Ouais. Est-ce qu'il y a lui qui est bien et lui, c'est trois fois trop. Quoi, un petit cœur gelé en vrai? Ouais. Pareil, pas item pas cher, très fort. C'est ça, bientôt rendu 1 fera pareil, il sera 2700. Hein. Ouais, tu préfères Ranjuan ou cœur gelé quand même? Ça dépendra du nombre de crits en face. Ok. S'ils ont deux ADC crits, rendu 1 sera mieux. Les gens ont des semi-crit, du coup c'est pas si rentable. On ne dirait pas, mais tu fais une game de fou, hein. T'es présent sur 12 des 18 kills, hein. C'est une dinguerie en vrai. Bon, j'avoue qu'il y a quelques assists qui ont été grattés à droite à gauche, mais. On sait toujours pas ce qu'il fait. Oh, le Akshan, il est un peu gourmand. Faut pas lui en vouloir. Oh, bien joué. Non, bon. En vrai, on rigole, mais t'as 3000 HP bientôt, à force, hein. À force de ces bêtises là. Bah ouais, mais. Ah. Ça c'est cocasse. Alors, Il t'a random là, je reconnais. Après t'es intuable mais. après, il essaye de tuer le tank. T'es incroyable, c'est un enfer. Ah, peut-être que là tu es mou. Peut-être tu es mort peut-être. Non même pas. Alors, il y a un pack qui sous-ult. Au revoir. Ouais. En vrai tu chopes une petite assist là en vrai. Ça serait ouais. Non dommage putain. Les baits. Mais frérot, c'est très grave là ce que tu leur mets depuis tout à l'heure. Dommage. Par contre, ouais, mais enfin, ouais, mais il y a des gens qui ont des HP, quoi.
Finnegan en quatrième, il le fait toujours après la tankiness. Fait quoi ce Akshan? Akshan il est. Il est sous potion mon ami. Comme on dit. On n'a pas parlé du starter avec Swain, tu fais toujours Doran Ring? Ouais, y a rien d'autre mieux. Tant que la potion. Elle ne sera pas augmentée, ouais, la potion. Ouais. Ouais, je vois laquelle tu parles. Un free stack. Ça va, 3000 HP bientôt. Ça fait déjà fait 600 de dégâts sur le fight. Hein. Est-ce que t'as des items qui donnent des HP dans le lot? Riley, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Riley, item. Ouais, potion de corrup, ouais. Mais ouais, c'est assez insane en vrai. Hein. Après, là, ouais, bon, pour le coup, là, je suis passé devant au farm. Malheureusement. Alors, ça, c'est un peu dangereux. C'est un peu deep, ouais. Parce qu'en fait, t'as une hache qui, ici, genre, t'as juste à mettre un coup de jult et elle meurt. Hein. En fait, pour ceux qui se demanderaient pourquoi il a fait le chapter en first, il a fait le chapter en first parce que l'item est, te donne beaucoup de stats en fait. Pour pas très cher. Il donne beaucoup, c'est ça, il donne beaucoup trop de stats bien pour pas très cher. Surtout qu'il a, ouais, avant il était plus cher donc tu le faisais pas. Mais là, depuis qu'il est passé à 1100, tu peux facilement faire un first back le chapter et l'item est vraiment fort. Ok. C'est un peu loin ça, non? UCC. Ok, bien joué. Oui, c'est la régène du champion. Allô? Allô? Mais pourquoi t'as ult? la régène du champion. Ouais, lui, il se fait déchirer. Par contre, j'ai pas compris. Pourquoi le fiddle? C'est quoi cette régène de fou, mec? Il a ça. Et qu'on a pas d'anti-heal. Ah, ok. Oui, bien sûr, c'est ça qui me permet de juste me pas me faire one-shot, mais NP. La brière, elle a été un peu deep, on va se mentir. Alors, en fait, brière, c'est son ult, ça sert pas à engage, ça sert à second engage en fait, comme les ults de Panthéon, les ults de Sion. Quoique non, Sion, c'est comme engage. En fait, ta team engage et toi, tu erres par-dessus. Ah, mais c'est vrai qu'elle peut pas le cancel une fois que c'est touché, j'avais zappé ce petit détail. Oui, non, c'est pour ça que c'est pas elle d'engage, c'est à moi d'engage ou Lyonna. Okay. En fait, elle doit se follow Lyonna en fait qui engage, mais elle le fera jamais. Solo Q. Je tank maintenant, ils sont tous fait de la pile instance. T'es quand même bien tanky, on va pas se mentir. T'es bien solide là. Assist. Ah putain, la roue de hache c'est trop chiant, mec. Là, les couloirs comme ça, c'est ce que tu préfères, non? Avec. Avec son. Ah, mais là, il veut plus fight. Là, tu peux plus faire grand chose en effet. Ah, ça, c'est les. Là, c'est les problèmes un peu. Ah, là, c'est. Là, c'est dur. Ah, la game est. Pourquoi ils font ça, lui qui a pas de TP? Aïe aïe aïe, la game elle est dure quoi. Et moi je pourrais rien faire, je me suis pris 5 gangs d'affilée. Vous pouvez défendre encore non? Il fait pas Zonia. Est-ce que. Ouais, après en dernier non? Ça dépendra encore, c'est vraiment c'est full adapt en fait. Ouais, ça va peut-être Zonia cette game par contre. Ouais, c'est sûrement Zonia en vrai par contre. Donc du den vraiment à l'as quoi. Non tu veux pas. Ok. Il aurait pu Q non? Vous manquez de damage non? Bah j'avais prévu que normalement ça ou ça soit un peu feed. Enfin ou sinon moi j'ai avantage et bah on est derrière quoi au niveau dégâts. Enfin c'est normal qu'on a pas de dégâts vu qu'on est. Ah, au revoir. Elle est morte, non? Ouais. Ah, quoique. Ah, je viens encore d'essayer de dodge avec un dash. Oh, bien joué, ça passe. En tout cas, ta petite assist. Champion de fou, Briard, mec, c'est un champion de fou. Ouais, bon, bah là, par contre... Là, par contre, c'est... Ouais, c'est finito, là. Ah, ouais. Ah, le KSNT AFK. KSNT AFK, non? Ah, ouais. Eh bien, c'est dur hein ce jeu. Putain, c'est dur quand t'as pas de team, mec. C'est. Pourquoi t'es contre une vidéo ensemble? C'est une catastrophe.
Je sais pas, j'ai les brouillards qui redonnent 3 fois d'affilée, mon Arishkan qui redonne 3 fois d'affilée, mais ils disent pas que c'est leur faute. Est-ce qu'il peut tempo lui? En vrai, 9 secondes, ça se fait, non? Ok, bien joué. Le champion KSNT en vrai. Le champion KSNT en vrai, mon dieu. Est-ce que c'est encore winnable? C'est ça la question. Les petites de cette là. Ok, c'est bien. Let's go! Prends les shutdowns, feed-toi. Quand t'es full stuff, c'est infernal, non, Swain? Ouais, il lève son taf. Oh, dommage, putain. Aïe, 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 aïe. Ah, bah il avait son flash. Ouais, bon. Ah, putain, elle est dure. Allez, Ah. elle a fait ça comme ça, ouais, bon, je pouvais pas de tank. Putain, mais c'est pas possible, mec. On va y arriver à tourner cette vidéo, c'est une dinguerie. T'as le temps d'en faire une deuxième? Oui, j'ai une journée, moi. J'ai juste Putain, cours ce matin. c'est une dinguerie, genre. Va prendre les TK. Top dégâts après, ouais. Je la mettrai sur ma chaîne de VOD, celle-là de game, elle est bien.